toute la série des émissions Tam Tam sur YouTube grâce à Oba Label au niveau de Paris qui nous met. Vous avez toute la série des émissions Tam Tam sur YouTube grâce à Oba Label au niveau de Paris. On va suivre donc ce condensé de la nuit du Congo à Washington. Les artistes congolais se sont produits à Washington grâce à GPY suivant. Joséphate, bonjour. Bonjour. Ça va, Joséphate, congolaise de la diaspora, oui. Qui vient pour le compte de Kifulapa Katapuan Frisson. C'est mon ami sur Facebook, on s'écrit des mots sympathiques, mais puisque tu es là, tu parles de Top One Frisson. Où est-ce qu'il est en ce moment? Alors, il est aux États-Unis pour la Music Awards africaine. Ah, donc il est nominé, dans des awards. Voilà. Et ensuite, il va faire une sorte de tournée dans toute l'Afrique. Il va commencer par le Kenya pour la fête de l'indépendance. Et ensuite dans les Caraïbes. Je suis là pour apporter une valeur ajoutée à cette artiste congolaise qui n'est pas encore connue au Congo. Ouais. Et enfin, il commence petit à petit à rentrer quand même. Hein, ça va, ça commence petit à petit à rentrer. Ben, votre pierre à l'édifice aussi va contribuer à ce que ça soit un peu plus regardé. Hein. Tout à fait. On compte sur vous pour essayer de faire le maximum, hein, de diffuser ce que j'ai rapporté comme clip. Ouais.
Kim Fulapaka, c'est déjà un album qui est dans les bacs en ce moment, qui serait bientôt vendu au Congo. Et voilà pourquoi je suis là. Il y a quand même quelques contacts ou bien vous êtes toujours à la recherche des contacts pour pouvoir distribuer l'album? Je suis à la recherche des contacts pour pouvoir distribuer l'album. L'album, au niveau de Paris, est déjà, oui, est déjà prêt, est déjà vendu, prêt, vendu, téléchargeable. Téléchargeable sur YouTube. Oui. Oui. Et pour le Congo, ça vient. Ça vient, exactement. Alors, Top One Frisson, il roule un peu sa bourse un peu dans beaucoup de festivals. Hein. Il joue dans, on l'a vu à Madagascar, dans des éléments que j'aime beaucoup. J'aime bien regarder ces éléments parce qu'il y a un côté très attractif, hein, du spectacle qu'a livré Top One Frisson à Madagascar. Bon, là, il y a une tournée africaine. Africaine, au Kenya, oui, et prochainement. En mi-octobre. En mi-octobre, il sera au Kenya. Au Kenya. Et puis, il y aura un deuxième pays. Dans les Caraïbes. Dans les Caraïbes. Dans les Caraïbes. Et le Congo, vous savez peut-être. Prochainement, avant décembre. Avant décembre. Ah, ben tiens, ça, j'aimerais bien. Parce que ça fait quand même. C'est un grand projet que Top One Frisson a pour le Congo. Il sera là. Bon, mis à part ça, qu'est-ce qu'on peut encore dire sur cet album peut-être, inviter les gens à l'acheter, à le découvrir, c'est ça? Bah, surtout le découvrir déjà. Oui. L'acheter, bien évidemment, une fois qu'on l'a découvert, il y a plein de sujets qui font que les gens puissent aimer. Bien que c'est un musicien de la diaspora, mais il nous rappelle tout ce qui est les rumba à l'ancienne sur l'album Kim Fulapaka. Et il y a tout ce qui est ndombolo à l'intérieur. Donc voilà, il y a de quoi s'amuser. Il y en a pour toutes sortes de générations. C'est pour des jeunes et pour les générations un peu avancées. Ok, donc, d'accord. Bon, on va prendre une petite pause. Oui. Hein, on va donc écouter, non, regarder, puisqu'on est à la télévision, on va regarder et puis écouter également Kifulampaka. Kifulampaka, le tout dernier opus de Top One Frisson, qui est sur le marché du disque actuellement. Ben, on va le proposer à nos amis téléspectateurs. Vous nous avez ramené les images. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. On suit justement ces images de Top One Frisson, mais cette fois-ci dans son clip, parce que je diffuse souvent à Madagascar, mais cette fois-ci on retrouve le clip à proprement parler de Top One Frisson. C'est vrai que je suis la représentante de Top One Frisson en ce moment à Brazzaville et Pointe-Noire, enfin au Congo. On pourrait me contacter au 05 690 39 62. Je te remercie, je te garde encore. Bonjour mademoiselle Teko, ça va? Bonjour. Ok, je vous reçois tout à l'heure. Je dis simplement que Audrey Moyo, ah, mon ami Audrey Moyo qui salue Silo depuis Paris. Hervé Maïela, son fils Odé Grasse Moyo et bien sûr Junior Massengo sans oublier Rian Mombo et Ladvi Mombo. Tout ça c'est Audrey Moyo qui travaille avec moi ici, qui a donc dédicacé toutes ces personnes. Je reprends en disant que SOS Salsa joue cet après-midi au village Vendôme. On y sera pour aller voir SOS Salsa au village Vendôme. Il nous reste encore quelques petits instants. Nous nous excusons auprès de quelques musiciens. Donc le clip était programmé pour aujourd'hui. Nous vous proposerons ces clips la prochaine fois. On a commencé avec du retard, ce qui fait qu'on ne pourra pas diffuser un certain nombre de clips. On reçoit... Ah tiens, moi je suis un admirateur. Je suis un admirateur, mais je t'ai jamais reçu sur dans cette émission. Je te reçois aujourd'hui pour parler de ton opus qui sort sur le marché du disque. C'est vrai que tu ne communiques pas beaucoup, mais là, je pense que tu vas quand même commencer à communiquer. L'album, parle-nous-en un peu. C'est quoi le titre? Ça sort quand? C'est destiné à qui? Il est composé comment? Tout ça, c'est des questions qu'on a envie de te poser, puisque bon, tu es là avec nous. Je vois même que tu as amené une affiche. Bien sûr qu'on a une affiche. Ben, on va l'ouvrir également pour les amis téléspectateurs. C'est l'affiche pour
beaucoup. Voilà, mais tu caches pas ton visage, hein, quand même. Voilà, donc, Teko, qui est en live, en spectacle également, au CCF, pour présenter ton album. Ouais. Hein, il s'appelle comment ton album ? Intitulé Cri. Il s'appelle comment ? Cri. Cri. Ouais. Ok, d'accord. C'est pas du ndombolo, en réalité, c'est un peu tous ces mélanges-là que tu... C'est pas du ndombolo, c'est du tradit moderne, ce que les gens appellent quasiment la world music. La world music, ok, ouais. D'accord. Donc, c'est disponible sur le marché du disque bientôt ? Bientôt, oui, à partir du 19 septembre. Ouais. On aura déjà le disque pour tous. Et il y a la petite indication qui est en bas que je devais également dire. Hein, oui. Tu es pris découvert. Non, tu n'es pas pris découvert, mais tu as participé. Oui. Pour j'ai été finaliste. Finaliste carrément. Pris découverte oui. RFI 2013. Oui. Et c'est grâce à ça que Tom Tom d'Or m'a récompensé aussi l'an dernier. Ben, j'allais le dire, mais merci toi-même de le dire. Donc merci beaucoup à toute l'équipe, Tom Tom d'Or. Oui. Ouais. Donc. On te retrouve, la date c'est quand ? Moi je lis ça ici, mais... La date, c'est le 19. Tu peux plier, ça c'est va le te 19. Mettre... Le 19 jour. Le 19 septembre, ça sera un vendredi, donc le vendredi prochain, oui. À l'Institut français du Congo, donc l'ex-CCF, oui. À partir de 19h, pour la sortie officielle de l'album de Teko intitulé Cri. Ah, donc, en fait, ce spectacle, c'est le spectacle qui accompagne la sortie de ton album. Oui, qui accompagne ça? La sortie de l'album. Oui. Donc, le 19, à partir de 19h, vous aurez l'album. Pour ceux qui seront là, donc j'invite tout le monde que venez. Il y aura aussi une dédicace, hein, comme mais ça. Bien se fait. Sûr, il y aura une dédicace. Donc vous venez, vous achetez le CD, vous avez une dédicace gratuite. Et il y a aussi la vidéo qui est accompagnée avec. Pour l'instant non, pas encore. C'est un disque encore audio, c'est pas encore visuel. Les clips sont En préparation. Tu nous as ramené un clip, mais malheureusement, le format ne s'accommode pas trop avec ce que nous avons ici. C'est dommage. On aurait pu faire passer ce clip pour proposer à nos amis téléspectateurs. Moi, j'aime beaucoup ta musique. Enfin, c'est mon métier également. Je suis toutes les musiques. Mais je crois qu'à la place des téléspectateurs, je peux dire que tu fais de la bonne musique. C'est pas pour rien qu'on t'a donné un Dame d'Amour. Tu as du talent. Tu peux pas être finaliste du prix découverte RFI. Sans avoir du talent. Sachant également vendre notre musique. Si quelqu'un fait de la bonne musique, il faut le dire. Et là, honnêtement, tu fais de la bonne musique. Et amis téléspectateurs, vous qui suivez, le 19 septembre, venez, pour ceux qui ne connaissent pas, venez découvrir Mademoiselle Teko, qui sera sur scène à l'Institut français du Congo. J'ai vu CCF. Bon, c'est ex-CCF. Hein, c'est marqué CCF, oui, hein, Institut français du Congo. Tu as un orchestre ou bien c'est toujours en... Je suis en carrière solo, mais j'ai un groupe d'accompagnement. Oui. Il y a Presse Mahindou qui est là sur ce plateau. Oh, Presse Mahindou qui roule un peu sa bosse un peu partout, de Washington à Brazzaville. Il est partout, ce garçon. Bien sûr, c'est parce qu'il fait du bon travail. Oui. Donc, il est aussi chez Zao, il tourne beaucoup. Hein. Il est partout, oui, Presse. Ouais. Il est partout. Donc il y a Presse Mahindou à la guitare et Claude Kouloufoua. Et j'ai un percussionniste aussi, Ndala. C'est vrai, ta musique à toi, ça ne demande pas 15-20 personnes, mais c'est select et puis c'est des beaux sons que tu nous livres. On est arrivé quasiment à la fin de l'émission. Bon, peut-être un dernier mot pour une invitation de plus à nos amis téléspectateurs qui suivent. Tu regardes la caméra et tu leur dis. Bien sûr. Tu peux les influencer, il n'y a pas de problème. À tout le public, aux Brazzavillois, aux Brazzavilloises. Nous vous invitons tous le vendredi 19 septembre à l'Institut français à partir de 19h pour la sortie officielle de mon album intitulé Cri. Le billet d'entrée est rendu à 2000 francs CFA seulement. Seulement. Donc, allez, merci beaucoup Josepha. Je te remercie d'être passé dans l'émission. Nous sommes arrivés à la fin. Merci. Qui fout l'impact sur le marché du disque à bientôt. Oui. Hein, merci beaucoup d'être passé. Je remercie l'équipe technique qui a travaillé avec moi aujourd'hui, avec mon réal du jour, Ariel Dimi Gatier, hein, qui salue tous ses amis, Cédric Dimi Gatier, Vich Zabé, Nina Lemba. Allez, vous êtes tellement nombreux. Les amis de Ariel, notre réal d'aujourd'hui. Nous vous disons merci et nous nous excusons encore une fois. Je devais vous présenter Chidane de Mbouta. Désolé, mais ce sera pour le dimanche prochain. Beaucoup de plaisir cet après-midi.